pas de directeur qui n'a pas de papier philo, n'a pas de papier retour, n'a pas de papier philo, tant de directeur général. Ça veut dire non pays, monsieur. Ça veut dire ça veut dire courageux, mon à l'école. Et docteur Gary Konin dit, pas de bagaille comme ça. On ne va pas faire tout, on ne va pas faire philo, on ne va pas faire université du tout, ou pas capable de dire pour directeur général, ou pas capable de dire pour ministre. Et mais ça, c'est ce bagage au niveau des qualifications. Et, docteur Gary Konin dit un bagage encore. Il dit, si on a un ministère dans la main, il faut que le peuple connaisse qui est le parti politique qui baille. Ça me compte en pile. Tout va demander, parce que nous devons demander, il faut qu'il y ait transparence. Comment on va nous mettre le pouvoir? Il levait la marche fait comme il y a un ministère, et puis autant de dire le bagage dans la main, il y a un ministère. Est-ce qu'on prend ça, Mabdoula bien? Et bien, même les qui bat le ministère là encore, l'obligé de pas dire rien. Ça veut dire, c'est un condamné du peuple à pas besoin. Gargo ne dit pas rien comme ça. Chaque président, yo, chaque conseiller présidentiel, yo, a gagné un ministère là, mais le peuple a dû connaître qui est qui gagne. Tel ministère pour tel monde. Nous parlons de qualification et compétences. Yo, du pas un directeur général capable d'obliger. Ou pas un directeur général pour pas aucun papier dit tout. Ça va faire. Ou pas à l'école, ça veut dire barrer les gens à l'école, ça veut dire comme si nous avons ou obligé de marcher fébri. Il faut venir avec papier pour obliger de présenter. Ça, nous d'accord ensemble avec lui. Nous avons une bagaille qui est plus importante pour nous, même au niveau parti politique et soit démocratique, que docteur Gary Konin fait. Comment ça le fait? Il choisit des gens qui sont compétents, ils vont signal. Les gens qui parlent de corruption. Soit les gens qui parlent de corruption mal, ça veut dire que c'est les gens qui prennent les gens qui parlent de corruption, ils ne vont pas gaspiller l'argent d'État. L'autre, Camille Edouard Junior. Qui c'est secrétaire général de la primature. Son monde honnête, son monde tout le monde capable de faire confiance, son monde qui croit dans tous les peuples, son monde qui croit dans la jeunesse. L'autre prend Madeleine Fils-Aimé. Ouais, Madeleine Fils-Aimé, il s'est directeur cabinet, directeur sona. Mais c'est content de monde honnête. Soit on a parlé mal, ça veut dire que dit, oh, mais il y a parlé mal, ça veut dire que c'est pas un monde qui va prendre l'argent l'État pour la gaspiller. Son monde qui a une spécialité dans sa fait ça et les directeurs de cabinet. Son monde qui propre. Ça veut dire, moi-même, soit parti politique et démocratique, je parle de des gens, de Camille Edouard Junior, de Madeleine Fils-Aimé, des gens, ça démontre que il y a un grand changement qui a soufflé dans le mouvement. Et ça l'étudie, chef cabinet. Son grand changement, son monde qui a une spécialité, son monde qui est très loyal, honnête, compétent, qui a une pile qualification. Je ne dis à nous, même au niveau parti politique et soit démocratique, nous venons dire avec PM Gary Konin que continuer le travail. Nous avons une mise en garde dans le lancé. Ça va rien blague là-dedans. Nous allons mettre PM Gary Konin, toute sanction était sanction internationale. Dans la sanction internationale, nous avons marché pour mener Jean Villan dans tout le pays, régler les affaires. Au cas même où comment Yui la totalité obligé de venir dans le conseil présidentiel, dans l'installation du conseil présidentiel là, j'ai enlevé, parce que c'est sanction internationale qui gagne. Et bien depuis où vous venez merder PM Gary Konin là, rapidement, sanction qui gagne plus importance dans le bagage, c'est sanction locale. C'est rapidement là, sanction locale à venir nous. Rapidement là, vous obligé de conseil. Gardez, vous tout mentez. Vous tout mentez. Est-ce que vous avez tout là bien? C'est ça que fait nous, même au niveau parti politique et soit démocratique, nous dit. PM Gary Konin, bienvenue. Et nous-mêmes, nous ensemble avec lui. Par exemple, on dit bien, conseil présidentiel là, ensemble avec et Premier ministre Gary Konin, sont celles. Nous gagnons président Louis-Gérald Gilles. Qui sont mon honnête, qui sont mon, tout le monde. Et on met quoi tout, c'est lui-même qui va organiser l'élection. Et c'est ça que fait nous-mêmes au niveau parti politique et soit démocratique, nous prenons l'élection tout. Nous sommes contents le fait que c'est mon qui va porter garant neutralité électorale là. On parlait de Gary Konin, on parlait de Louis-Gérald Gilles. Son sérieux honnête, son sérieux qui est en pouvoir là. C'est ça fait qu'il y a monde qui pensait que le conseil présidentiel là a une grosse division avec PM Gary Konin. Non, nous avons commencé à entendre, il n'y a pas de problème. Le monde qui est en division, vous pouvez assurer, c'est le secteur qui voyait le conseiller présidentiel. Le secteur qui a un problème. Mais le conseil dit qu'il n'y a pas de problème, ça PM Gary Konin dit c'est ça. Eh bien, on a un monde qui a mal à le camp en face de PM Gary Konin. Si on fasse papa bon, on dit qu'il va le camper. Ou mettre pour me souvenir. Regardez, non seulement on a des sanctions internationales, encore, sanctions locales, là, c'est lui-même qui va en premier. Ou bien on a des sanctions internationales, on va marcher, brebio, tout côté, on va danser tout badou. Mais sanctions locales, là, on va faire long, frère. Eh bien, soit les maîtres des PM Gary Konin, là, sanctions locales rapides. Première sanction, on va bien, c'est sanctions locales. Après ça, on va garder, on va pas voyager. Après ça, on va garder, on va tout monter. C'est ça que fait, PM Gary Konin, là, il est tête fouette. Ça veut dire.
son moun wale mède là, c'est au capouille. Eh bien, nous même au niveau parti politique et soit démocratique, li fait choix de deux moun, moun sérieux, qui c'est Camille Edouard Junior. Camille Edouard Junior, ça, mes amis, faut me dire bien, son moun qui honnête. Son moun qui chita parler avec la jeunesse. Li chita parler avec secteur universitaire là. Li chita parler avec tout moun. Son moun crédit, tout moun connaît l'été ancien ministre de justice. Déjà, tout moun connaît qui importance Camille Edouard Junior. Comment son moun qui honnête, son moun qui sérieux. Ou bien Madeleine Fizeme qui est chef cabinet et Garigoni, son monde connaît encore compétent qui qualifié. Son monde, tout le monde t'a bien. Ouais, il passe n'importe 3-4 jobs directeur de cabinet. Tellement son exilé. Depuis qu'on est levé chef, premier monde pour faire appel à elle, c'est Madeleine Fizeme parce que son monde, tout le monde connaît lui, il parle de la corruption. Et mais c'est normal, si vous avez besoin pour prendre l'argent d'État, vous avez toujours parlé mal, parce que vous prendre l'argent d'État, Madeleine Fizeme pas prendre l'argent d'État pour la marché gaspiller. C'est normal. L'autre Camille Edouard Junior encore, son monde qui crédit, et je vous dis à la, l'autre a deux mondes compétents qui sont en place déjà. Eh bien, il a fait appel avec l'autre monde, l'autre ministre. Nous disons bien, nous mettons au niveau parti politique et soit démocratique, nous prenons engagement ça nous. Malgré nous disons bien, officieusement, c'est que c'est pour le conseil présidentiel à nous, il a parlé avec nous, et nous commençons à travailler depuis le mois de l'année, et il y a une défense envers nous. Est-ce que vous comprenez ça, Abdoula bien? Pas chaque mois, toujours. Oui, chaque mois même, on connaît pas l'État qui va partir retard. Est-ce qu'on peut s'en battre bien? Malgré que Peggy Jean qui est monté sous le job là, sous le job qui est en fait appel avec moi, moi-même, dit Peggy Jean, pas de problème, il y a un problème pour le football, ça n'a pas de problème pour moi, pour moi, pour moi. Je n'ai pas de problème avec Peggy Jean pour ça. Mais quand même, il faut me dire bien, quand je parle là, c'est porte-parole conseil présidentiel là, PM Gaï connaît déjà mon panneau. Plus ça comme c'est président parti politique et soit démocratique qui parle dans l'élection là. Mes amis, dans l'élection, pour quelqu'un là, c'est où? C'est parti bric pas balogien là non parce que parti politique soit démocratique pour aller dans l'élection ça veut dire moins qu'à parler avec vous là son candidat on pas connaît parce que pas mettre tête très bien pas mettre tête moi c'est peuple là qu'app connaît par rapport avec travail fait pour peuple là pour qui ça la voye bonjour entre DPM ça PM Ariel Henry t'a supporté kounya PM Gary Kouni t'a supporté dis nous qui est qui plus bon pour peuple là bon jour bien. Tout est bon pour le peuple là. Tout bien fait travail peuple là. Quel TPM Ariel Henry, quel TPM Gary Kouni. Il y a une raison qui fait. Je ne veux pas dire, je décide de supporter PM Gary Kouni. C'est parce que PM Gary Kouni parle ensemble avec moi. Il voit boire droit qui vient parler avec moi. PM Ariel Henry, il est pour retourner vivre dans le pays. La raison qui fait PM Ariel Henry, il est pour retourner vivre dans le pays. Tout le monde connaît son docteur qui est spécialisé dans affaires maladie dans la tête. Des bons l'hôpital et la paix dans Delma 33 l'hôpital Benabé une bonne hôpital tout le monde qui fait accident moto c'est mouri tout le monde qui frappe dans tête c'est mouri parce que pas gain monde ça pour obligé résoudre problème ça et mais tout le monde ouais PM là tout le monde a fait appel avec PM Ariel Henry pour retourner vivre dans pays là et bien je vous dis là je dis PM Gary Kouni parler avec moi. PM Ariel Henry pour venir vivre dans le pays, mais il dit ça prend du temps, il ne sait pas qu'on y a parce qu'il n'y a pas aucun gouvernement, il faut que bagaille finisse là, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas de problème, je commence à travailler crédit. Parce que ça m'a plu bien. Le fait que quelqu'un dit comme ça, PM Ariel Henry a rentré, vient vivre dans le pays, et bien pas de problème, je dis que je commence à travailler pour vous déjà. Ça veut dire tout effort ça m'a fait, m'a parlé de PM Gary Kouni, c'est parce que quelqu'un a mis ma confiance que PM Ariel Henry pour retourner venir vivre dans le pays. Parce que ça m'a plu bien. Nous, c'est ça qui fait nous être solidaires avec PM Gary Kouni. Nous disons bien que le ministère clé qui est dit ministère ça n'est pas négociable. Ça veut dire que le ministère ça n'est pas une personne, c'est lui-même qui a compris qui nous a fait. Je ne sais pas si nous connaissons déjà. C'est le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Planification. Ça veut dire que le ministère ça lui prend. Tout le monde qui est obligé de gourmer, le conseil présidentiel qui doit prendre n'importe quel ministère. Ce ministère ça lui prend. Le premier ministre, ça, c'est le cap de mon nadan. Ça veut dire, pour qui raison? Parce qu'il dit qu'il y a une élection, il y a besoin, dans l'élection qu'il a faite là, pour ne pas dire comme ça, c'est tel monde qui influence, c'est tel ministre qui influence, et bien c'est lui-même qui a mis une série de monde. C'est ça qui fait nous dire, Gary Kouni, c'est garant de la neutralité électorale. Ça veut dire qu'il y a un petit détresse dans le conseil là, non? Un petit détresse moi, Jean-Charles. Bon, non, papa, ouais, ça va me doubler. On bien d'accord. On monte que nous avons un bagaille dans un moment, dans l'autre moment,
li pa jwenni mais ça pas bal problème est-ce que ou elle parler pas parler li résigne qui ça le demande là fini tout hein qui ça le demande non un exemple pas comme ça le demande puisque si là pas comme ça personne demander qui ministère tout simplement moi nous PM gars ikone vini là c'est pour transparence c'est pour qualification c'est pour et compétence femme dou bien on monde qui connait pas aucun papier ouais papier reto ouais papier kilo ou pas papier université ou connait pas directeur qui côté ça bon dis nous bien moi qui viens parler là c'est pas pour ça moi qui viens parler pas chien gars garanti oui ah on va venir parler pour m'a parler de PM Gariconi après ça pour me lever m'a passer misère dans la rue pour me lever comme si m'dadou m'obliger peuple à faire une sorte de satisfaction non yo parle ensemble avec moi tout bonne Gariconi parle ensemble avec moi et moi ouais et tout le monde ouais pas PM Gariconi commencer et il fait déjà l'orel gien tant descend dans la ville là ça veut dire c'est comme dadou Jean web d'a défendre PM Ariel Henry c'est comme ça m'va le défendre PM Gariconi parce que c'est toujours même nous même là. Gariconi pas répondre pas faire PM Ariel Henry rentrer dans PS ou virer Dubaï PM. Ou déjà si yo gien dit PM Ariel Henry pour retourner pour venir opérer chauffeur moto qui fait accident dans tête pour Jean-Bessy. Pour venir opérer moun qui fait accident dans machine qui gien problème dans tête en pile moun a mouri l'hôpital toute maladie tout monde qui malade dans tête tout mouri. Parce que son neurochirurgien, son monde qui est obligé de faire une spécialité. Dans le pays, il n'y a pas grand-pile monde ça. Il a dit qu'il a fait tourner dans le pays comme docteur. Il n'a pas venu pour venir m'aider personne. Le PM Ariel Henry a retourné, il n'a pas venu m'aider PM Gariconi. Il n'a pas venu m'aider l'autre monde. Tout simplement, il a venu obligé comme si nos affaires guérir le monde. Mais je ne veux dire, il n'y a pas de problème. Si toutefois, je regarde les gens, il n'y a pas fait PM dans le retourné. Laissez-moi voir, je vais parler avec le peuple pour me dire, bon, nous avons un crédit de faire mon crédit a fini à partir de aujourd'hui. C'est ça la pierre. Mais moi, c'est ça. 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 Bien bas devant nous, au nom du réveil national pour la souveraineté d'Haïti, pour nous dire nous, chapeau bas, le fait que nous camper debout dans la bataille ça que nous engager pour faire respecter la souveraineté pays nous, pour faire respecter nous comme peuple. On l'autre fois, nous comptons avec nous. Comme réveil là t'est annoncé dans l'activité nous t'ai fait ici dans dernièrement nous t'ai annoncé n'a gagné une journée de réflexion pour nous penser agir réfléchir sur le problème pays et deux journées ça yo pas ouvert à la presse parce que nous devons prendre le temps pour nous poser des problèmes paysans, pour nous venir avec une solution qui est capable de satisfaire tout le monde. Et c'est dans ce sens, journée 19, journée 20, réveil, bord de réveil, acte en de réveil, nous chita, nous réfléchis. Et nous adopter une première résolution qui était que Réveil a décrété une semaine de concertation politique. Nous décrétons une semaine de concertation politique parce que la bataille ça a mené les papiti. Son gros combat qui besoin, côté nation a besoin. Tout petit garçon et femme vaillant. Dans la deuxième phase combat que nous lançons pour nous arriver, chasser Konzeyo dans le pays, prendre pouvoir pour nous adresser les vrais problèmes, nous voulons pour nous gagner plus de monde avec nous. C'est dans ce sens ça, dans le cadre d'activités que nous prévoyons faire, nous décidons. Pendant la semaine, ça a commencé demain, mercredi, qui a fini jusqu'à 28 mois de mai.
n'a pas gagné pour nous rencontrer tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Pour nous montrer, pour nous expliquer, nécessité pour camper gourmet contre tout le monde qui choisit de vendre le pays. Pour tout le monde qui choisit de faire complot avec étrangers, complot avec les gens qui eux-mêmes parlent mes pays pour régler les affaires personnelles. Yo. Donc, appel ça, nous profitons de Nicolas Presse pour nous lancer au secteur syndical, à la classe politique qui n'est pas inféodée, avec cette société civile, là, secteur privé, là, organisation paysanne, leader communautaire, dans quel que soit coin, nous demandons pour nous rejoindre nous dans la semaine de concertation ça, pour nous arriver à faire échec à plan ça que nous connaissons, qui n'a pas l'autre finalité, c'est fini avec Haïti. Moi, quoi nous chaque qui là, nous connaissons qui ça, occupation qui était pour nous. Petite sans papa, choléra. Je dis, nous gagnons pays, la caillou, il y a un choléra là, il y a un Ebola, il y a une autre maladie. Il n'y a pas même de capacité pour adresser les problèmes, nous joindre des conseils qui, je dis, fait appel avec eux pour venir craser le pays. On y a posé le problème de manière réelle. Eh bien, moi te dis, ici là, c'est un fond de refus que révèle à lancé. Côté tout le monde qui n'est pas d'accord, doit rejoindre. Nous demandons pour chaque monde, je dis, à choisir quand yo, soit nous camper dans le peuple là, pour nous défendre la souveraineté du pays, pour nous faire ancêtre fiers de nous. Soit nous choisissons collabo. C'est pour raison ça. Réveil là, nous dit clair, nous pas d'accord pour personne penser yo ka nous coloniser pays ça. Nous pas accepter et n'a campé goumé juste maïmi pour que nous bataille pour que plan international là gagne pour pays hein, côté jeune des conseil cap serville. Pour faire pas passer. Dans ce sens, nous renforcer l'unité juridique. Côté toute équipe avocat réveillé debout, nous travaillons avec des camarades, confrères sur le plan international. Problème haïtien, contrairement à ça, vous pensez, nous n'avons pas mené sous terrain seulement, nous avons mené sous terrain international. Nous avons dit chaque grand haïtien. Qui comprennent, je dis, hein? Haïti c'est celle-ci bien, en commun que nous avons. Qui comprennent, par mon côté sous la terre, nous capables à l'aise, et là, pour rejoindre le réveil. Nous voyons ça, car il comme accouché dans nous là. Il y a nous 9 mouns qui ont goumé entre eux. En moins de 22 jours, il y a deux coups d'État qui fait en dans le conseil ça. Premier coup d'État pour renverser Edgar Leblanc. Deuxième coup d'État, Edgar Leblanc maintenir le pouvoir. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas qui est qui président, pas dans rien publié dans le moniteur. Et nous connaissons pour qui ça? C'est parce que l'international a besoin des marionnettes. Lui-même encore, il campe dans deux pour nous montrer qu'il n'y a pas rien. Donc, je dis. Nous-mêmes, c'est petit de salut. Frère petit de salut. Nous-mêmes, qui c'est petit tapoua la mort. Nous-mêmes, qui c'est petit pétion Christophe, sans cette nous, qui te mourir. Ce n'est pas cadeau. Blanc de fer, pour nous te gagner un petit bout de ça. C'est sans ancêtre qui te mourir. Eh bien, je dis, il faut nous faire respecter sans acte. Pour que, dans le jour 4 juin, pour la révolution triompher, pour nous donner des haïtiens conséquents, authentiques, qui prennent tête pays. Mais qui va pour aller prendre dictée dans les mains blancs, qui va pour aller prendre dictée dans les caricoms, qui va pour aller prendre dictée dans les secteurs privés. Je dis,
bataille là c'est contre système dans nous déclarer et nous dit nous pas camper n'a goumé jusqu'au bout pour que nous renverser ce système là à toute serviteur yo à toute collaborateur yo à tout monde qui a fait corps avec m'a dit avec équipe porte-parole qui révèle présenté aujourd'hui à la presse pour nous prendre responsabilité nous pour nous parler parole là nous pas besoin paix sans cette nous à camper avec nous pas besoin paix vrai peuple haïtien à camper avec nous pas besoin paix vrai nationaliste à bon côté toute organisation qui était allée pour une raison pour une autre qui commence à venir et il y a plusieurs gens qui commence à venir on bat un gros applaudissement pour eux on bat un gros applaudissement pour eux parce que dans la dernière conférence nous avons lancé appel à des groupes qui peut-être étaient trompés de bonne foi pour rejoindre le peuple là et bien réveil là c'est nous qui menons le peuple là nous campons pour mener le peuple là advienne que pourra révolution a triomphé advienne que pourra révolution a triomphé. Advienne que pourra, révolution a triomphé. Advienne que pourra, révolution a triomphé. Est-ce que nous là? Est-ce que nous n'avons dormi? Est-ce que nous n'avons dormi? Est-ce que nous réveillés? Nous pas qu'à nous dormir. Les souverainetés pays menacées. Qui s'en a fait? La camper, la boumer pour nous faire respecter droit nous comme citoyens. Si, je veux dire, nous tous pas lever camper, pour nous continuer de défendre droit nous, nous avons garantie dans l'élection qu'a fait Dieu, nous avons saisi nous, nous avons nommé député pour nous, nous avons nommé sénateur pour nous, parce que nous prenons nous comme un peuple qui n'est. Nous prenons engagement. Pour nous gommer contre l'étranger, pour nous gommer contre collaborer, pour nous libérer le pays. À partir de aujourd'hui, révèle à tout allié nous, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous. Nous décréter la permanence politique pour nous montrer un zéro, pour nous montrer si c'est un zéro que Haïti est un. Et nous promettons ça. La fini pour nous dire, bataille là, fait commencer. Chaque garçon qui l'a considéré comme un dessalin, considéré comme un tapis à la mort, considéré comme un Christophe. Considérons comme nous, dans la gauche ancêtre, nous, dans la zone Kodoya, et comportons en tant que tel pour défendre le territoire. Mesdames, Messieurs, de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. Femmes voyant nous, ouvriers voyant nous, vaillants et vaillantes militants du réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés. Moi, saluez-nous patriotiquement. Est-ce que nous là? Est-ce que nous n'avons dormi? Est-ce que nous n'avons dormi? Est-ce que nous réveillés? Nous pas qu'à nous dormir les souverainetés pays. Menacé. Nous, y a foulé trois nous en bas pied. Je dis en son paquet de contentement pour nous-mêmes, dirigeants, réveillons et alliés. Nous songez, dans la dernière activité, nous avons organisé ici. Là. Nous avons annoncé une semaine. De concertation politique. Parce que nous te rendons compte. Pour contre nous, nous passons pour nous mener au combat. Ça. Nous devons nous une mission pour nous chercher sans nous. Chercher
camarades politiques, côté oui, dans le point oui, pour nous faire un front commun, pour nous défendre la souveraineté pays, pour nous défendre la constitution. Résultat, après, je dis, la plein forme, c'est un paquet de formes politiques qui estiment qu'ils n'ont pas qu'à chiter à la caille, ils doivent debout pour défendre la souveraineté pays. Mesdames, maintenant de nous lever campé pour que le public a applaudi. Merci beaucoup. Pas qu'à bien 1804. Pas qu'à bien 1804 si nous battons bien défilé. Pas qu'à bien 1804 si nous battons bien Catherine Flon. On l'autre fois encore. Applaudis Catherine Flon, ça a été puissant. Mesdames, nous autres du réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés, nous fiers de nous. Nous fiers de nous. Ah, c'est pas le peuple qui choisit, yo, c'est la communauté internationale là qui impose nous. Yo. Est-ce que nous fiers de ça? Non. Est-ce que nous fiers pour diriger nous pour ces étrangers qui choisissent nous? Qui s'en a fait? N'a campé, n'a boumé pour nous faire respecter droit nous comme citoyens. Si, je vous dis, nous tous ne parlons pas campé, pour nous continuer à défendre le droit, nous avons garanti dans l'élection qu'a fait, nous avons saisi nous, nous avons nommé député pour nous, nous avons nommé sénateur pour nous, parce que nous prenons nous comme un peuple qui est né. Mais ça, moi, je vous dis, mobilisation devant nous, décret de motivation nous est dans la diaspora. Dans tout le pays, ça va nous force, ça va nous courage pour nous continuer à gommer. Et ça nous garantit. Équipe ça, qui campe dans le domaine, avocat, voyant ça, militant politique, voyant ça, femme, voyant ça, nous prenons engagement pour nous gommer contre l'étranger, pour nous gommer contre collaborer, pour nous libérer le pays. À partir de jeudi, révèle à tout allié lieu, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous, nous décréter la permanence politique pour nous montrer on sait, pour nous montrer si c'est où que Haïti est monde. Et nous promettons ça. N'a pas fini pour nous dire. Bataille là, fait commencer. Chaque grand garçon qui l'a considéré comme un dessalin, considéré comme un capre à la mort, considéré comme un Christophe, considéré comme une grosse ancêtre nous, dans la zone Kodoya, et comportons en tant que tel pour défendre le territoire. Chaque grande femme qui l'a considéré nous comme Catherine Flon, considéré nous comme un défilé. Considérez-nous comme femmes vaillantes qui étaient campées dans deux héros pour délivrer nous. Ma petite, afin que nous captions, nos blancs débarqués, ça veut dire c'est ça. C'est pas vrai. La volonté du peuple, c'est la volonté. La volonté du peuple, ça peut la vler. Ça peut la vler. Ça peut la vler. Vive la souveraineté d'Haïti. Vive le respect de la Constitution. Abat tout conseil qui a comploté pour le pays. Merci. C'est ici que prend fin l'événement de ce jour, mesdames et messieurs. Nous tenons à remercier juste avant les agents de sécurité, les alliés ici présents, tous les représentants des partis politiques et des organisations, et aussi les membres du réveil national. Le travail ne s'achève pas, la concertation est en continuation. Nous sommes heureux, nous avons été vraiment très flattés de vous accueillir. Merci encore mille fois, merci. Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines, sud de tout le monde, durant les trois dernières années
notamment. Considérant que depuis plusieurs décennies, notre patrie chérie Haïti se trouve plongée dans une pratique mafieuse et infernale de sécurité programmée, avec la multiplication des groupes armés un peu partout à travers le pays, prenant mystérieusement en otage le politique, l'économie, le social, le culturel, le religieux et toute la population haïtienne, bloquant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au regard passif et complaisant, pour ne pas dire complice, de l'ensemble des institutions payées et chargées de la sécurité nationale. Constatant que les démarches visant à la formation et à la composition du Conseil présidentiel de transition sous l'égide de la CARICOM et de la communauté internationale devient de plus en plus une farce, une honte flagrante, avec acte flagrante aux actes glorieux de nos ancêtres qui nous ont légué cette terre de liberté comme symbole de souveraineté et de la dignité des peuples noirs du monde. Considérant qu'il y a urgence extrême pour le peuple haïtien de parvenir à rassembler et à regrouper d'une équipe d'hommes et de femmes progressistes, patriotes, nationalistes, conscients, honnêtes, intègres, compétents, visionnaires, expérimentés et bien imbus de la gestion de la chose publique, afin de s'attaquer aux causes et conséquences des problèmes fondamentaux, sécuritaires, socio-économiques, socio-politiques, socio-juridiques et légaux, notamment la réforme ou la réforme constitutionnelle. Considérant qu'il y a urgence et priorité de recoudre le tissu social haïtien mis en lambeaux durant plusieurs décennies par l'organisation et la réalisation du grand dialogue national tant sollicité et attendu par toutes les forces vives et progressistes du pays. Convaincu que la manifestation de l'élan de solidarité avec lequel le courageux et vaillant peuple haïtien d'ici et d'ailleurs, notamment la diaspora haïtienne, a fait montre de la construction de notre canal appelé canal de la dignité. Avec l'apport et le soutien de nos vaillants agents de BESA. Dans le département du Nord-Est, prouve aux Haïtiens et au monde entier une fois de plus la résilience et la capacité historique du premier peuple noir libre pour amorcer un nouveau départ à la conquête de sa souveraineté et la restauration de sa dignité, la nation libre sous un nouveau leadership collectif avec des gens de bonne volonté intègre, avisés, compétents et responsables. Convaincu que le pays détient encore et toujours des ressources humaines dignes de son passé historique, et qui a le sens du sérieux, de la volonté, de la responsabilité, de la capacité pour dialoguer avec tous les secteurs. Acteurs de la vie nationale et autant avec les partenaires de la communauté internationale non limitio. C'est pourquoi, pour l'histoire et au nom des générations à venir, Il est plus impératif pour les forces vives de la nation et de la patrie commune, notre cher Haïti, chacun en ce qui le concerne, de mettre tout en œuvre pour éviter à tout prix toute confrontation sanglante et regrettable qui semble devenir de plus en plus évidente
et menaçant l'intégrité nationale et l'unité nationale si rien n'est fait de manière responsable et urgente pour corriger les dérives ainsi constatées en tant que peuple et nation civilisée. Fort de toutes ces considérations catastrophiques et tous ces constats périlleux, nous, les organisations, nous, Réveil National, les organisations du secteur revendicatif, social, syndical, étudiant, universitaire, écolière, paysanne, politique, économique, populaire, religieuse, culturelle et de la société, signataire de la présente déclaration conjointe et solidaire pour le retour et le rapatriement de la souveraineté nationale et le retour à l'ordre constitutionnel. Merci. Question Premier ministre, sénateur Philippe t'a annoncé, il a dit que les gens qui ont fait le Premier ministre, nous n'avons pas besoin de boss, nous n'avons pas besoin de job, nous avons besoin de pays nous changer. C'est pour ça que nous avons besoin. En moins de 22 jours, il y a deux coups d'État qui fait en dans le Conseil. Ça. Premier coup d'État pour renverser Edgar Leblanc. Deuxième coup d'État, Edgar Leblanc maintenir le pouvoir. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas qui est le président, pas dans rien publié dans le moniteur. Réveil a été annoncé dans l'activité que nous avons fait ici l'an dernièrement. Nous avons annoncé. N'a gagné une journée de réflexion pour nous penser, agir, réfléchir sur le problème pays. Et deux journées, ça, nous n'avons pas ouvert à la presse parce que nous devons prendre le temps pour nous poser le problème pays, pour nous venir avec une solution qui est capable de satisfaire tout le monde. Et c'est dans ce sens ça, journée 19, journée 20, réveil, bord de réveil, acte en de réveil, nous chita, nous réfléchis et nous adopter une première résolution qui était que réveil a décrété une semaine de concertation politique. Nous décrétons une semaine de concertation politique parce que la bataille ça n'a pas mené, il pas piti. C'est un gros combat qui besoin, côté nation, besoin tout petit, garçon, femme, vaillant. Dans la deuxième phase combat que nous lançons pour nous arriver à chasser Konzeyo dans tête pays a prend pouvoir pour nous adresser vrai problème yo nous voulons pour nous gagner plus monde avec nous. C'est dans ce sens ça dans cadre activité que nous prévoyons faire nous décider pendant semaine ça qui a commencé demain mercredi qui a fini jusqu'à 28 mois de mai n'a gagné pour nous rencontrer tous les secteurs vidéo de la vie nationale pour nous montrer, pour nous expliquer la nécessité pour camper gourmé contre tout le monde qui choisit de vendre le pays. Pour tout le monde qui choisit de faire complot avec l'étranger, complot avec les gens qui eux-mêmes parlent de pays pour régler les affaires personnelles. Donc, appel ça. Nous profitons de Nicolas Presse pour nous lancer au secteur syndical, à la classe politique qui n'est pas inféodée, avec cette société civile, secteur privé, organisation paysanne, leader communautaire, dans quel que soit coin, nous demandons pour nous rejoindre nous dans la semaine de concertation. Ça, pour nous arriver à faire échec. À plan ça que nous connaissons, qui n'a pas l'autre finalité, c'est fini avec Haïti. Moi, je crois que chaque qui là, nous connaissons qui ça, occupation qui était pour nous.
petit sa papa. Choléra. Je dis, nous gagnons pays, la caillou, yo gen choléra là, yo gen Ebola, yo gen l'autre maladie. Yo pas même gen capacité pour yo adresser problème yo, nous joignons des conseils qui je dis fait appel avec yo pour venir craser pays au lieu de poser problème nan de manière réelle. Eh bien, moi te dis, ici là, c'est un fond de refus que réveil a lancé. Côté tout le monde qui pas d'accord doit rejoindre. Nous demandons pour chaque monde aujourd'hui choisir quand yo soit nous camper dans camp peuple là pour nous défendre souveraineté pays pour nous faire ancêtre yo fier de nous soit nous choisir collabo. C'est pour raison ça réveil là nous dit clair nous pas d'accord pour personne penser yo carré pour nous coloniser pays ça nous pas accepter et n'a campé goumé juste maïmi pour que nous bataille pour que plan international là gagne pour pays hein côté joindre des conseils cap serville pour faire pas passer dans sens ça nous renforcer unité juridique côté toute équipe avocat réveil debout n'a travaille avec des camarades confrères sur le plan international. Problème haïtien, contrairement à ça, vous pensez, bataille n'a pas mené sous terrain seulement, n'a pas mené sous terrain international. N'a pas dit chaque haïtien qui comprend, je dis, Haïti c'est celle qui bien, en commun que nous avons. Qui comprend, par un côté sous la terre, nous capables à l'aise que là, pour y rejoindre réveil. Nous voyons ça, car il comme accouché par nous là. Il y a 9 personnes qui ont goumé entre eux. En moins de 22 jours, il y a 2 coups d'État qui fait en dans le conseil ça. Premier coup d'État pour renverser Edgar Leblanc. Deuxième coup d'État, Edgar Leblanc maintenant pouvoir. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas qui est ce qui président, pas dans rien publié dans le moniteur. Et nous connaissons pour qui ça? C'est parce que l'international a besoin de marionnettes, lui-même encore, du campé dans tout le monde, pour nous montrer qu'il n'y a pas rien. Donc, je dis, nous-mêmes, c'est petit de salut, frère petit de salut, nous-mêmes qui c'est petit capois la mort, nous-mêmes qui c'est petit pétion Christophe, sans cette nous qui te mourir, c'est pas cadeau blanc de fin pour nous te un petit bout de ça. C'est sans ancêtre qui te boule. Eh bien, je dis, il faut nous faire respecter sans ça qui te boule. Pour que, dans le jour qu'il y a une vie, pour la révolution a triomphé, pour nous donner des haïtiens conséquents, authentiques, qui prennent tête pays. Mais qui va gagner pour aller prendre dictée dans mes blancs, qui va gagner pour aller prendre dictée dans mes caricom, qui va gagner pour aller prendre dictée dans mes secteurs privés. Je dis, bataille là, c'est contre le système que nous déclarons. Et nous dit, nous ne pouvons pas camper, nous pouvons jusqu'au bout pour que nous renversions ce système à tout serviteur, à tout collaborateur, à tout le monde qui a fait corps avec nous. Ma dit avec équipe porte-parole qui réveille la présenter aujourd'hui à la presse. Pour nous prendre responsabilité, nous. Pour nous parler parole là. Nous pas besoin de paix. Sans cette nous à camper avec nous. Nous pas besoin de paix. Vrai peuple haïtien à camper avec nous. Nous pas besoin de paix. Vrai nationaliste à bon côté. Toute organisation qui est allée pour une raison pour une autre. Qui commence à venir. Et il y a plusieurs gens qui commencent à venir. On bat un gros applaudissement pour vous. On bat un gros applaudissement pour vous. Parce que dans la dernière conférence, nous avons lancé appel à des groupes qui peut-être étaient trop de bonne foi pour rejoindre le peuple. Et bien, réveil là, c'est nous qui avons mené le peuple. Nous campons pour mener le peuple. Advienne que pourra, révolution a triomphé. Advienne que pourra, révolution a triomphé. Advienne que pourra.
dire là. Hein? Ou mandé pour une campagne, révolution. Après semaine de concertation, nous avons tout dit pour montrer au peuple de quoi nous sommes capables. Merci.